Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter trois nos rêves 3 inch qui viennent de chez The Original Renault. Donc c'est donc le Renault Store, hein. Et pour ce faire on aura donc la Renault Mégane E-Tech 100% électrique. Et ensuite on aura les deux derniers de chez Renault, hein, qui ne sont pas encore sortis. Et on aura donc le Renault Scénic E-Tech 100% électrique. Et ensuite, on aura le Renault Rafale E-Tech Full Hybride. Et lui, je dois avouer qu'il est magnifique, hein. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour la présentation. C'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite avec le premier modèle. Qui est donc la Renault Mégane E-Tech 100% électrique. Et si vous vous rappelez, je vous avais déjà présenté la version Matchbox, hein. Mais celle-ci, elle est quand même beaucoup plus jolie. Et celle-ci, elle a été faite en 2023, en tout début d'année. Elle est très jolie. Donc quand on ouvre, eh bien, voici la miniature. Et franchement, je dois avouer que par rapport à la version Matchbox, elle est très très bien faite, celle-là, hein. On a même la plaque Mégane E-Tech. Elle est vraiment très jolie. Elle a de la tempo partout. La petite plaque Renault. Et on remarquera que là, on est sur une version haut de gamme. Le dessous, elle est plutôt très jolie, hein, avec de très belles petites roues. Alors, je suis désolé, hein, si je dis que les modèles sont très jolis, hein, assez souvent, mais parce que c'est le cas, hein, faut pas dire le contraire non plus. Ensuite, on a le Renault Scénic E-Tech 100% électrique. Donc celui-ci, hein, n'est pas encore sorti, hein. Il est seulement en essai sur route. Mais déjà commandable sur le site de Renault. Donc voici pour le Scénic. Et il a un très bel avant. Hein. On voit la patte de Gilles Vidal, hein, dans l'avant. Il est vraiment incroyable. Par contre, pour celui-ci, j'ai quand même 2-3 choses à dire. C'est que il manque de la peinture à un endroit, hein, sur ce Scénic. Et c'est ici, hein, si vous regardez sous le rétro. Voilà, c'est dommage. Mais ça reste une belle miniature. Le dessous. Et l'arrière, hein, qui est magnifique. Et bien sûr, maintenant, on va passer à la dernière miniature de cette vidéo. Et c'est donc le Renault Rafale. Et celui-ci, je dois dire que je l'attendais avec impatience. Et le voici, et regardez comment il est super bien fait. Alors là, on est sur une version Esprit Alpine, hein, en bleu alpine. Il est incroyable. Avec de belles petites roues. L'arrière aussi, qui est très beau. Le dessus. Ils l'ont vraiment très bien réalisé, mais... Comme toujours chez nos rêves, il y a un défaut et en fait c'est en dessous. Hein. Si vous regardez, bah, il manque le T à Renault. Mais c'est pas grave, hein, parce que ça reste quand même une très belle miniature. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour se dire au revoir. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les amis. Tchuss.